49 personnes sont condamnées à mort en Algérie pour le lynchage de Jamel Ben Smaïl. En août 2021, des incendies en Kabylie avaient fait 90 morts en moins d'une semaine. Jamel Ben Smaïl, 38 ans, avait été accusé à tort d'être un pyromane et battu à mort par une foule avant d'être brûlé vif. Ce musicien et peintre avait en fait fait 3 heures de route pour venir en tant que volontaire et prêter main forte aux opérations de lutte contre les incendies. Les 49 accusés sur les 70 qui ont été reconnus coupables du lynchage de Jamel et condamnés à mort ne seront pas tués en raison d'un moratoire sur les exécutions en Algérie. Ces peines devraient être commuées en prison à vie. Les accusés seraient membres d'un mouvement indépendantiste kabyle classé comme terroriste. Ils étaient notamment poursuivis pour homicide volontaire avec préméditation et actes terroristes et subversifs contre l'État et l'unité nationale. «